Et qui se glorifie par rapport à sa nature passée. Amon a vraiment que Nazaraka bouille, mais ça se bouille. Vous voyez que j'étais comme ça, mais j'ai changé. Il faut que ton cœur. Essayez de t'écouter, moi. Et ça, la parole est fendue. Sois un lieu où habite la parole. C'est révolté vraiment à péché. Révolte-toi contre le péché. Les gens que nous lisons dans la Bible, ils étaient des hommes de la même nature que nous. Il n'y avait que le corps ici rempli de faiblesses. Mais ils savaient prendre du temps devant le Seigneur pour surmonter les combats, tous les combats de leur vie. Il faut être aussi pareil. Il faut que bon il y a des salana ou y a ça dans moi. Les yeux de ta vie soient différents de celui qui est dans le monde. Vous avez dit que tout le monde s'en est un programme il y a à péché. Ne sois pas celui qui fait le programme de péché. L'obin a posé les cobos. Et là je vais faire la débauche. Bah moi relation au salati n'a pas besoin. Et dans mes relations jusqu'à ce que je vais l'attraper. Les arbres liés à monde. Donc c'est la manière du monde de penser. Ma carte n'est pas locale. Vie, amour, il y a foi, il y a vertu. En toi, il faut chercher la vie de l'amour, la foi, la vertu. La nature à Christ. Le lien à Christ. Il faut chercher que cela puisse s'installer encore. Il y a d'autres choses que tu t'attaches, bloque la vie des gens. Les diables n'ont pas pour pourquoi. Et les arbres n'ont pas. Posso. Tout ce que l'on possède, les dons de sa vie. Nous sommes diable à devant Dieu. C'est ce que le diable avait dit devant le Seigneur. Dans la situation de Job. À cause de la situation de Job. Il faut que tu saches bien aimé. Et là, il y a un ennemi. Ce qui fait la carte là. Tout ce qui est de l'ennemi, si c'est la demeure, quoi, ils ont toujours la conséquence maintenant. Suite ça. C'est là toujours sa conséquence ou ses conséquences dans la suite du temps. Ils ont été dans un exemple et il a ce qu'on. C'est par exemple, je prends un exemple qui m'est venu. Ok, il est pour ça là, c'est au service du diamant. Tu te rends par exemple faire le service du diamant. Et beaucoup d'années, un chef coutumier pour nous appeler. Et tu te rends compte avec le chef coutumier, le propriétaire. Bien que y a Tangaka, Zamba, Aébissi. Il te dit bien que lui ferme la carrière pour que. Yo, pour faire on dit. Et donc, si tu acceptes et tu ne témoignes pas Jésus-Christ. Et tu te tais. Et tu commences à sourire. Et la forêt vous appartient. La carrière vraiment vous appartient. Évitez ce que vous comprendre. Je ne sais pas si tu comprends, Seigneur. Évitez ce que vous comprenez que les âmes vont nous appeler. Je ne sais pas si tu comprends que Dieu peut dire un mot et les chefs que tu viens disparaître. Maintenant, Zuyo a fait participer à la cérémonie. Maintenant, les chefs qui viennent le prêtre fait participer dans ces cérémonies. Ça, les cérémonies. Il fait des cérémonies. Il aussi. Il dit qu'il t'est béni. Est-ce que ça un enseignement que le chef continue au Pambola? Est-ce qu'il y a un enseignement que le chef continue de nous prêcher ici à l'église? Et toi, tu vas le pratiquer là-bas au village. Si côté verset mon chef continue avec le Pambola. Est-ce que nous avons déjà prêché un verset de la bénédiction du chef continué? Et parfois, vous participez. Et parfois, tu participes. Vous savez ensemble. Participe à ces potes à ça, comment? Il dit entre dans la forêt et puis tu auras. Au besoin. Et tu auras. Mais non, pour eux, vous mais c'est que tu obtiendras. Les âmes ont des revendications. Et c'est là des revendications. Au besoin, même le diamant est à 25 carats. Tu peux même obtenir le diamant de 25 carats. Les âmes ont tassé le moment. Et sans tassure. Et t'es qu'à Michel. Et c'est là, c'est bon aussi. Le diamant. Mais c'est diamant. Il y a aucun pour réclamer du côté. Tu peux réclamer ta femme. J'étais libre. Dans ce sens aussi. Tu peux réclamer Banan. Tu peux réclamer tes enfants. Bah, comme il a dit à l'impudicité des ordres. Et que son corps se lance dans l'impudicité de la vie des ordres. Respect la parole terre. Ils n'ont même pas le respect de la parole. Ce sont des réclamations. Et ça dit qu'au Seigneur. Et bien, nous sommes dans votre sinanda. Il y a d'autres choses. Et bien, nous sommes dans votre sinanda. Il y a d'autres choses que tu fais en train de faire. Et on va retirer même le moine. Ça peut même te retirer même l'enfant à la maison. Tant que le mal est donne. Tant que le mal est donne. Ça t'a la paix, ça t'a la paix au Brésil. Avant de retirer, il y a un accident. On va
Il peut te retirer toi-même par l'accident et tu t'arrêtes. Jésus-Christ a donc dit. Jésus-Christ avait dit. A dit le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien. A sali de l'eau qu'on a eu pour te faire. Il a Jésus à l'homme. C'est ce que Jésus avait dit. Parce que Zahir est l'homme tout diable pour réclamer la tâche. Parce que le diable n'avait rien à réclamer à Jésus-Christ. Il faut que tombe là et t'embarque à Christ partout. Tu dois élever le tendard du Christ partout, tu sais. À chaque pas, tombola. À chaque pas que tu feras, élève la manière du Christ. À ici, Kanyonso, tombola. Partout où tu seras, élève la manière. Jésus m'a envoyé. Si Jésus m'a fait pas ta soeur. Parmi la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de ensemble. Dans Simonango et l'Andaka Mignon, pour 2000 publicitaires. Il ne fait suivre aucun chagrin. Ce qui est en train de faire, si la bénédiction de Dieu, c'est venu à Mungu, les a contraire. C'est venu la bénédiction du diable est contraire. Faites attention, les a contraire. Elle est contraire, la bénédiction. Tu peux sortir avec 30. Mais t'as les carats, on les a tombés pour réclamer la nappe. Et c'est pas des carats, on a des choses à réclamer dans ta famille. Dieu donne. Ça fait un peu ça. On va l'imiter. Tu ne peux pas le limiter. Il est le Dieu de cette terre, le Dieu du ciel. Azali, ça vient ramener les pays à Makolo. Dieu appelle Satan. Ça va. Le Seigneur agit, le Seigneur donne. Confesse toujours le nom du Seigneur. Attends, continue à nous ça. Même si tu entres dans le service. À promettre une promotion qui est au commun. Homosexuel. Et on a promis de te promouvoir, mais en devenant homosexuel. N'est-ce pas? Moi, si mon corps, à ta conduite, une dame qui est chef de ma zara, mais je suis une soeur, mon corps, moi, si là. Mais elle a besoin que toi, la soeur puisse devenir sa femme. Ou bien, mon bali, mon corps, ça peut mon conduite. Ou bien, un homme qui est supérieur hiérarchique. Ma zara, mais je suis une corps, moi, si là, mais il y a mon bali. Et qui a besoin que tu deviennes sa femme, mais toi, un homme. À promettre une promotion. Et il promet de te promouvoir. Mais en tout cas, de voiture. Que tu es des vanités. Tu as été pamba, les pamba. Ton mot là est mandat Christ. Élève l'étendard qui est Jésus-Christ. Nazanga. Et je manque maintenant témoigner. Mais que je témoigne Jésus-Christ. Ma fille a tchoula. Quand c'est manque, qu'on insulte. Mais va éviter. Mais qui ne savent pas. Nanga Nazanga. Qui je suis ou qui est avec toi. Il faut le macabre. Il faut que je le redire. Belele Isayote. Et la terre ne te fasse pas trembler. Bon, bon, bon. L'argent est. Et l'argent ne te fasse pas trembler. La vie n'a pas besoin d'emporter tes napillons plus ou moins. Ne sois pas emporté par les choses visibles dans ta vie. C'est rien. Et ça y est donc au terre. C'est rien, oui. Et ça y est donc au terre. C'est Christ qui est tout. Et ça y est Christ qui est immense. S'attacher à Christ. Dans la Christ. Pas si on s'en envoyait bien. Les souffrances que tu as le Christ le sait. Yéda contre la terre entière. Celui qui a le contrôle de toute la terre. Jésus Christ. Ayébi Moutounio, ça va nous pardonner, nous aller faire. Il connaît tout le monde, il nourrit même le païen. Nabani Amanazan. Même les bêtes des champs. Avant prendre soin là-bas. Il prend soin de ses animaux-là. Ayébi non. Il connaît le nombre des animaux qui mourront par jour. À combien de fois présent toi qui es son fils? L'ennemi a distrait à l'éotère. Beaucoup d'améliorité dans ma papa. Tombera toujours Christ. Elle est toujours le Christ. Son tombe le Christ. Si tu élèves le Christ, le Seigneur va nakoya. Et le Seigneur viendra t'assister. À vous à la consolation pour nous. Et il sera ta consolation. Donc, on garde position parole, c'est très important. Garde la position de la parole, c'est très important. Récompense les amounés. La récompense est grande. D'abord, dans ces siècles et dans les siècles à venir. C'est révolter vraiment à péché. Révolte-toi devant le péché, c'est la plus grande chose. On s'épère en Angleterre. Il ne faut pas désirer d'être dans le péché. Et que c'est une amoutoua, on s'épère en Angleterre. De celui qui se réjouit du péché na oyo azali ou yina isum et celui qui est
C'est différent. Donc, il faut y aller. Toi, tu dois aller dans le péché. Ce qui problème est lié. Si un problème arrive, il va et que tu branches le souci à Bonzambé dans la carte pour se répandir. Tu sentiras vraiment les soucis de Dieu pour te répandir. Et là, tu es le péché. Il faut qu'il y aller. Il faut aller dans le péché. Vraiment détester le péché. Cela est très important. Mais tu dis que mon corps est pour le Christ. Ma conscience et mes pensées sont pour établir Christ. Ma manière d'être, c'est pour élever le Christ, Jésus. Il faut toujours te redire. Il faut toujours que le Christ règne dans tout ce que je fais. Et Dieu te bénisse. Ça ne vient pas pour l'ailleurs. Nous croyons que le Seigneur n'a pas soit en vivant. Les autres, il a été pour la puissance en amour. Asa fidèle à Wanga na Kamaloba na été. Il est fidèle et il ne réunit pas ses paroles. Nyon soya loba asa. Tout ce qu'il a dit, il a accompli. L'écriture le dit, il a anéanti les projets des nations. Yé asim sa kamamwa kounyon se mkou. Et dans la psaume 33. C'est dans psaume 33. On va dire même à partir de la verset 9, parce qu'on va dire la chose arrive. Il ordonne cela existe. Mais il faut qu'il anéanti ça comme un projet des nations. Nous savons qu'il a anéanti le projet des nations. Mais ce dessein subsiste toujours. Le projet n'a été de génération en génération. Et ce projet de génération en génération. Que Dieu bénisse. Amen. Nous avons un texte dans l'histoire de Josué toujours 14. Nous allons prendre notre texte de Josué 14. Le verset 8. Dit le verset 13e. Jusqu'au verset 13. Nous t'élevons pour la portée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous lèverons pour la lecture au nom de Jésus-Christ. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué. À Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer les pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent les peuples. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse gira en disant, les pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans. Que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir, et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là.
a appris alors qu'il s'y trouve des anakims. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb. Fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Et la grâce du Seigneur est à la moko na moko. Et la grâce du Seigneur soit par toi. Oui, Jésus Christ en moko na moko. Nous allons au Seigneur Jésus Christ. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui nous conduit par sa grâce. Et au pays, ça va être en union son honneur, louange, la gloire. Et en tout temps, nous lui donnons l'honneur, la louange, la gloire. Parce que Yende a longi l'ennemi Satan. Parce que c'est lui qui a vaincu l'ennemi Satan. A longi la mort. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi tout tombe la cacombe à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons s'élever là de Jésus-Christ. Et nous allons croire que Bissou nous a battu l'idée. Mais nous croyons que nous ne sommes pas les enseignants. Nous n'enseignons rien s'il n'y a qu'un seul enseignant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le Jésus-Christ. Et moi aussi, Paul, alors qu'il est en acte 26. C'est pourquoi Paul avait dit aussi en acte 26. À partir du verset 23 à 24. À partir du verset 23 à 24. À l'heure qui est temps, Nazali pour enseigner la parole. Lorsque j'enseigne la parole, Nazali pour s'écarter na oyo Moïse na pas prophète Baloba qui kekoya. Je ne m'écarte en rien de ce que Moïse et prophète ont déclaré devoir venir. À l'heure de savoir que le Christ souffrirait. Oui, mais que Christ a connu quoi. Ressuscité d'entre les morts. Et que c'est quoi, il y a beaucoup de temps. Il annoncerait. Il a coûté à ta. Paul a talissé qui est à couper les soyez bien à vous en et Paul avait montré que lui qui était mort pour nous, et c'est lui seul qui sera enseignant. Ah, le dit que c'est Christ qui est le prédicateur. Vous allez Christ sauter à sa liberté. Au moins, il te paie sa carrière, mon nom, son honneur, que Yazo et Sika. C'est pourquoi tout le temps nous lui rendons honneur en fait qu'il prenne place. Et par la grâce de Dieu, nous avons avancé. Et par la grâce de Dieu, nous avançons. Nous avons accepté, tout à l'heure, très bien les sept églises. Nous voulons très bien parler ou montrer de cette église. Mais d'abord dans l'ombre. Mais d'abord dans l'ombre. Parce que ce qu'on a dit plan des années. D'abord, si tu connais le plan tel qu'il est. La construction, la réalité, vous en avez difficulté. Dans la réalité, tu n'auras pas de difficulté. Vous voyez, et là, pour le bâtiment, il y a une critique place au yo. Exode. Tu sauras que ce qu'on avait dit dans Exode. Les autres tiennent ma place pour une apocalypse. Ces places dans tel endroit dans le livre de l'Apocalypse. Ce qu'on avait parlé dans Nombre. Les autres tiennent ma place pour une. Ces places dans tel endroit dans le livre. La plupart des les sept églises d'Asie. Dans la plupart des gens qui ont prêché les sept églises d'Asie. C'est basé sur les histoires. C'était plus basé sur les histoires. Les historiens. Masolo y a pas Makomaki Yango. Il les avait aussi écrites. Atalisi, Lolingue, Ville Ephèse, Zalaka. Ils ont montré comment est-ce qu'était la ville d'Ephèse. Et puis Batalisi, Bamakambudion sont selon l'histoire. Ils ont montré sur toutes ces choses par rapport à l'histoire. Dans une Makamaka 300 et quelques, 200 et quelques. Ils ont pris les événements de 300 et quelques, 200 et quelques. Dans une Basmirna. Ils ont pris l'église de Smyrne. À l'obéir en prenant sa main solo. Ils ont parlé de cette ville suivant les histoires. Oui, à Pergame. Ils ont pris la ville de Pergame. L'église de Nyons. Toutes les églises. Alors, là, par rapport à Bama solo, par raisonnement. Ils les regardent par rapport aux histoires des théologiens. La plupart, il n'y a pas prédicateurs et mandélés. La plupart des prédicateurs blancs. Et aussi par noirs, aussi par l'andango. Et aussi les noirs aussi ont suivi cela. Tout simplement par historien. Ils n'ont copié que les historiens. C'est comme si Bazo Bossa. C'est comme s'ils oublient. Et Zambé a travaillé à l'écriture, bien soit précis dans la loi. Et le Seigneur travaille toute l'écriture qu'il a donnée dans la loi. Et ça toujours n'a pas ça dans la grâce. A toujours sa jumelle dans la grâce. Parce que Moïse a l'aura qui. Parce que Moïse avait dit, l'Éternel vous citera un prophète comme. Yahweh a coton pour la catégorie, c'est lui au sacre. Lui a écrit la poteau. Lui l'écriture. Le côté qu'on a comme moi. Mais de l'autre, il n'a pas comme moi. Ton
Lui sera de ce côté, mais de l'autre côté, il y aura Christ Jésus. C'est pourquoi tu vas remarquer dans la vie de Moïse. Avant qu'il ne meure, le Seigneur a Israël pays où il va y répondre. Le Seigneur l'avait montré tous les pays qui répondent. Il avait dit qu'il montait dans la montagne de Pisa. Il avait dit qu'il montait sur la montagne de Pisa. Voilà, pour lui montrer tout le pays. Et les bois n'est pas les accabouer. Ce signe là représente ici. Ma cambonion se trouve côté à la côté à grâce. Tout ce que nous pouvons prêcher du côté de la grâce. Et les bonhommes comme côté à Occident et à Jourdain. Le signe c'est la porte du côté de l'Occident. Moïse a mon amour. Moïse les avait tout vu. Nord, si, est, ouest et à terre. Il avait vu tous les quatre coins du pays. Comprendre que Moïse a les écritures ni on se tend aux otanga. Encore que c'est Moïse, c'est toutes les écritures des prophètes. Aux otanga, va livre à Moïse. Tu lis les livres de Moïse. Aux otanga, va psaume. Tu lis les psaumes. Aux otanga, va prophète Moussous. Tu lis les autres prophètes. Bango ni on se voit, bako na va livre ni on se évoya n'angamba kotoy. Et tous sont vus les livres qui viennent du côté de la grâce. Apocalypse. Apocalypse. Nango moni. C'est pourquoi tu remarques que l'on a toujours que tout ça va dans le temps, dans le temps, ça va se limiter, ma cambo. Nous voulons toujours avoir des regards, comment est-ce que le Seigneur limite toute chose. Nous avons refusé au salam, ma cambo, en dehors et à l'olengue, ma poutre, ma travail. Nous refusons de faire les choses en dehors de la manière dont les apôtres ont travaillé. Tu es dit très bien. Nous savons très bien que Seigneur Christ, pour la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ a prié pour les apôtres. Et à Sambela qui aussi pour la Bakondima Yenanzela Bapote. Il avait prié aussi pour tous ceux qui croiront en lui par la parole des apôtres. Yamomoni Tovea Kamakasina Maloba Bapote. C'est pourquoi nous veillons beaucoup à la parole des apôtres. On a l'intercession de Jésus à la parole. Enfin que l'intercession de Jésus soit aussi à notre parole. Si tu crois à une église, à moi ou les cadres. Dans le mois passé, avec ta vie, une femme pour être tentatrice. Comprends que cette église n'est pas la même église avec les apôtres. Paul. Avec le Paul de Pierre. Donc cela veut dire qu'au sein de la maman Zambay au papa. Cela veut dire l'adoration du Seigneur ne l'écoute même pas. Parce que c'est lui qui a respecté l'ordre de Yahweh qu'ils ont établi dans les écritures saintes. Parce qu'on doit respecter l'ordre établi dans les saintes écritures. La femme, sa place exacte est à place du ministère de la parole. La femme n'a pas de place dans le ministère de la parole. Le ministère de la parole, Dieu utilise le corps, l'homme. Mon sang est l'autorité à ça et à la mi-pali. Et à mon foyer, c'est pourquoi tu dois savoir. La femme ne peut pas prêcher. En ce qui concerne la femme, ne peut pas prêcher. Bible peut qui ça débat dans nous. La Bible a interdit les débats de ces sujets-là. Et le béni. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Écoute ce que la Bible dit. Et peut qui ça débat dans la Bible a interdit ces débats dans ces sujets. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. À la Bible, on dit ceci. Verset 37. Le verset 37. Si quelqu'un croit être prophète, ce qui vaut à Zali Bokanisa, Yazali Moussa, ou inspiré, donc il y a peu de la vie dans Zambé. Dans le verset 7, il y a 1 Corinthiens 14. Le verset 37 de 1 Corinthiens 14. Qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Ezali mon peco to motivo ya Nzambe. Parce que la femme ne peut pas prêcher la commandement. Donc la femme ne peut pas prêcher dans l'église de Saint, c'est un commandement du Seigneur. Un ordre. Ezali mon tindo. Débattre en haut. Ce n'est pas important que tu puisses débattre. C'est ordre va débattre à terre. On ne débat pas un ordre. À se soumettre. Mais on se soumet. Donc la femme ne peut pas prêcher. Voici un petit côté. C'est un commandement. Les amis vont payer. Comme on dit, ne volez pas. Oui, battez pour gagner. Pour ça, nous allons débattre. On ne va pas faire le débat là-dessus. Il faut croire qu'on est des amis. Tu vas croire à cela tête que ça est. Dieu bénisse. Amen. L'écriture est venue à mon commandement du Seigneur. L'écriture appelle commandement du Seigneur. Et c'est pourquoi toutes les églises ont au moins si. C'est pourquoi dans toutes les églises où les femmes deviennent des pasteurs, elles ont commencé. Qui deviennent docteurs.
évangéliste devient par exemple évangéliste, sache que ces églises là s'opposent au commandement du Seigneur. L'écriture est même en Exode 23. L'écriture dit dans l'Exode, verset 2e, le verset 2, tu ne te mettras pas dans ngambo ya grand nombre pour crucifier la vérité. Au comité ngambo va te mener pourquoi il s'abandonne. Au co soutenir la parole. Tu soutiendras la parole. Et non quoi tant au moni ma tu élève ma zone. Même si tu vois beaucoup de gens porter cette chose qui dit ça mais selon l'écriture. Tu as baissé les yeux sur les écritures. Après si l'argument est bien, même si quelqu'un donne de bons arguments, que tes yeux soient rivés sur les écritures. Ce que l'écriture est témoigné d'elle, si l'écriture ne témoigne pas, ne bois qui, alors tu vas les rejeter. Parce que ta main a piqué pour abattre la bilogonia sur Gina. Elle fut sauvée parce qu'elle avait gardé tous les objets de Gina. À ta papa, ça qui annonce qu'elle s'est prostituée. Même si on avait donné une annonce qu'elle s'était prostituée. Azana Zemi. Et qu'elle était enceinte. Et que Jida est la Kanda. Et que Jida est venue en toute fureur. Pour nous capables tous les moyens. Batoumbaye. Pour qu'on cherche par tous les moyens à briser. Dans la vague, il sera dans le monde manqué. Elle avait dit attendons d'abord un tout petit peu. Oyo yo. Cordon oye. C'est cordon. Caché oye. C'est caché. Bâton. Et c'est bâton. Colossel de Yéwa. C'est les propriétaires. Les propriétaires de toutes ces choses, c'est lui l'auteur de cette chose. Donc, si vous gardez Bilokonaïe. Donc, si tu gardes les objets de Jida. Kanda n'a pas eu beaucoup d'intérêt. Sa colère ne s'abattra pas sur toi. Et c'est pourquoi l'église. D'abord, l'église. Pour veiller à la marchandise que Jésus a dit qu'il n'y a pas apporté. Nous verrons sur la marchandise. À laisser aux apôtres. Afin que tout le monde la colère de vos sur la terre. Afin que nous ne puissions pas passer dans la colère qui s'abattra sur la terre. Et Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Il y a beaucoup de monde qui nous bénit au tambour déjà. C'est pourquoi dans les langages avec lesquels nous marchons, tout Isaki, tant Israël a dit l'Égypte. On a montré lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte. Et qu'il a commis dans le désert. Et il est arrivé dans le désert. Et donc, il y a des morceaux de Tolobaki, Naoyo et les Kaki. La première chose qu'on avait dit dans le culte passé. Tolobaki, qui est première année. Et la première année. Et Talisaka comme Moïse, comme temps et la loi. Représente Moïse, le temps de la loi. Deuxième année, Nabango. Et leur deuxième année. Depuis leur sortie. Et Madame Obini, Nabango. Et Talisaka signe à Jésus-Christ. Représente le signe de Jésus-Christ lui-même. Donc, l'année. Wana et Isaka, deux hommes. Oyali Boso, Moïse, Oyali Bale, Jésus. Et ces deux années représentent deux hommes, Moïse et Jésus. Deux années à avoir sorti. Leurs deux années de sortie. Yamoto Roma qui Moïse. C'est pourquoi on avait dit ça. La première année. La première année. Et Zoba n'a pas Pâques. On commence par la Pâque. Et puis tout à l'issue qui est en Pâques, mon corps. Et puis on avait montré qu'il n'y a qu'une seule Pâque dans la première année. C'est dans Exode 12. Dans l'Exode 12. Nous avons pris aussi Nombre chapitre 9. On avait pris aussi Nombre chapitre 9. Tout en a qu'à partir du verset 1er. On avait lu à partir du verset 1er. Et le verset même 7e. Jusqu'au verset 7. On a tout moni et sa deuxième année. Alors on a vu que c'était la deuxième année. Mais on a deux Pâques. Même il y a deux Pâques dans cette année. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous on avait dit que le Seigneur ne veut pas une chose en train. La deuxième année. Il faut dire que c'est une année tu dois savoir exactement où il y a une richesse, il y a terre à promesse, la richesse de la terre promise, et il y a un désert. Il était venu dans le désert. Donc, par exemple, à fruit, il y a pays. Donc, ils avaient obtenu le fruit du pays. Bah, il y a un mot dans le désert, la deuxième année. Et ils l'ont apporté dans le désert dans la deuxième année. Donc, deuxième année. La deuxième année. Et ça va dans la richesse, il y a terre à promesse, il y a mon. Il y avait la richesse de la terre qui devait hériter, mais ils l'ont vu dans le désert. Isaïe, les monocoles à Jésus, le pain de Jésus, le pain qui est venu du ciel. C'était le signe de la parole de Jésus, l'imparo et ultimacolo. Dans la deuxième année, nous avons remarqué. Et dans la deuxième année, nous remarquons. Israël a beau la promesse. Israël avait refusé ou rejeté la promesse. Alors, on va dans Nombre 14. Il avait dit dans Nombre 14. Autant qu'il déjà, nous avons dans le verset 1er. En lisant à partir du verset 1er, on a dit qu'Israël allait là qui boutou
Le peuple avait pleuré pendant toute la nuit. Bonne nouvelle, il y a 10 espions qui m'ont découragé. Concernant le rapport des 10 espions qui les avaient découragés. Et tout le peuple va murmurer. Et tout le peuple murmura. Et Bazoa qui décision. Ils avaient pris la décision. Nommons un chef. Tiens, retournons en Égypte. Et ils sont dans la mission des Égyptiens. Et donc, tenir la chose que nous tenons. Mis souverainement. Et ça que, la deuxième année, Israël a cédé la position à l'Égypte. Et dans la deuxième année, Israël n'avait plus de retourner en Égypte. Et les mots des autres, ils sont nommés que Jésus-Christ a acquis. Ceci la montre comment est-ce que Jésus-Christ. L'année où lui qui est cette deuxième année, Israël a rejeté. Israël l'a rejeté. Que Dieu bénisse. Amen. Et tant qu'on va rejeter le nombre 14, et lorsqu'ils ont rejeté le nombre 14, on t'a dit qu'il a mis nos versets d'abord 34. On avait lu ensemble avec vous le verset 34. Le Seigneur a l'homme qui boit. Le Seigneur avait dit ceci. Dans verset 34, ou verset 34. En tout cas, ça va sans la grâce, tout le temps, on a mis nos aïeux. En tout cas, que le Seigneur fasse grâce que nous marchions ensemble. Parce que dans 4, il y a un bon dé pour comprendre l'intérêt à la kimia. Parce que c'est là que tu comprendras la prédication. Au bon état, il faut tailler verset 30, autant verset 34. Lisons le verset 34. Il y a nombre 14. Nombre 14. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, nous l'aimons comme on tient qui. Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et là, on a insisté davantage. C'est ça. Dernière partie à nombre 14-34. La dernière partie de nombre 14-34. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le Seigneur n'avait pas dit ceci encore. Mais le même Dieu a continué à marcher avec eux. Mais le même Dieu a continué de marcher avec eux. Mais alors, mais il a dit, Baza privé la présence. Élément Oyo et Salemi aussi le Israël. Cet élément s'est accompli aussi de la manière dont Israël. Aujourd'hui, tant a rejeté Christ et Jésus à sa deuxième année. Aujourd'hui, lorsqu'il a rejeté le Christ qui est la deuxième année. Les seigneurs à sa son amabote. Le Seigneur n'est plus avec eux aujourd'hui. Les le Seigneur à sa mission. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous l'église. À nos bâtards déjà la deuxième année dans nombre 14. Il l'avait déjà dit dans la deuxième année dans nombre 14. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, ton compte qui n'a qu'à ta colombanabiso. Alors, on était entré dans notre exposé. Ton qui, nombre 14. On avait lu nombre chapitre 14. À partir du verset 28, 29. À partir du verset 28 et 29. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-le. Yéissabon. Je suis vivant. Nazarie-Nabon. Dis l'Éternel. Et le dit à vous. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun, et vos petits enfants. Celui qui avait l'âge de 19 ans. 18 ans. 17 ans. 16. Mais les autres ont continué. Et tel que tu continues à bénir. Le Seigneur appelle à maman petits-enfants. Le Seigneur les avait appelés des petits-enfants. Lisons sur le texte bien. Je veux que vous saisissiez bien le texte. Vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres vous tomberont dans le désert. Et vos enfants
mettront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Maintenant, au moins les textes que nous avons ici. Pourquoi nous voulons dire les choses de Dieu comme eux-mêmes l'ont fait dans les Écritures? Donc, quand nous trouvons Hébreux 3, quand nous prenons par exemple Hébreux chapitre 3, commençons par exemple la lecture au verset 7. Dis le verset 18, jusqu'au verset 18, nous lisons lentement. On l'a vraiment par la grâce de Dieu. Suivons-nous par la grâce de Dieu. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient. Pour me prouver. Et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Donc, à Bengi, comme on a 20 ans, tu vas à Jalikolo, une génération, na Kati, il y a Hébreux 3. Il a appelé les hommes qui avaient 20 ans et au-dessus une génération dans les peuples. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. J'agirai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. En fait, aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui fit en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui gira-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous que le pire y entrait à cause de leur incrédulité. Chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Maintenant, l'écriture. Mais non, c'est l'écriture. Mais les petits enfants. On
a pris les petits enfants. On les a fait semblable à nous. Vous en avez pitié, les amis. Vous suivez la lecture. La bonne nouvelle nous a été annoncée aussi. Ça vous va là, mais ça vous va là. Aussi bien qu'aille. Mais la parole qui leur vient annoncer ne les servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui entendaient. Voilà, il faut présenter les adultes. Là, on présente les adultes. Adultes, Israël, au moment où il y a Christ et Jésus, il représente Israël du temps de la venue de Christ qui était incrédule. Parole va rejeter parole. Israël qui a rejeté la parole. Maintenant, parole va aller banner dans le désert. Et donc, ceux qui étaient comme des petits enfants dans le désert. Parole maintenant va faire ça aujourd'hui l'église. Et ces petits enfants-là aujourd'hui représentent l'église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas. Il y a pour ça qu'on continue Hébreux 4. C'est pourquoi on continue la lecture de Hébreux 4. Parce que même dans ma belle, au Seigneur, il m'a compté. On appelle le pays. Un repos. C'est ce que tout le monde s'est dit. Repos, c'est tout un jour. Et le repos, c'est tout un jour. Et c'est ce que le Seigneur comprend. Et c'est ce que tu ne peux pas comprendre. Et ce jour-là, total ici, on avait montré ceci que Dieu, la manière qu'a tracé les choses, et le Seigneur, dans la manière qu'il a tracé les choses, dans Deutéronome chapitre 1, dans un temps d'ailleurs, à partir du verset 36, je l'ai dit à partir du verset 36. Nabana 35e. Verset 35. Aucun des hommes de cette génération méchante, il y a quelqu'un à Batonayaou, ne verra le bon pays que j'irai de donner à vos pères. Maintenant, t'as la lecture au bazo pèse à Bissoua. Maintenant, écoute la lecture qu'on nous donne ici. Donc, lecture au bazo pèse à Bissoua. La lecture qu'on nous donne ici. Bazo kabola moi moke Caleb na Josué. On sépare un peu Caleb et Josué. Alléluia, nana, ma casse, la voix des dans le bel. Je veux que tu me suives. Dans quelques minutes. C'est ce que je veux parler aujourd'hui dans quelques minutes. Bazo kabola, ko kabola nan le mini. On sépare de quelle manière? Bazo présenter Caleb dans l'amboya peuple. On présente Caleb du côté du peuple. Parce qu'en réalité, Caleb va porter sa vie sur l'église. Parce qu'en réalité, Caleb va nous parler de l'église. Bazo présenter maintenant Josué dans l'amboya serviteur. Et on présente Josué du côté du serviteur. Dans le Deutéronome chapitre 1. Dans le Deutéronome chapitre 1. Yokanengi langage Israël. Écoute ce langage. Là, ils en ont souk à voyage à Moïse. Là, à la fin du voyage de Moïse. Dans aucun des versets 35. Je réponds au verset 35. Aucun des hommes. Deutéronome chapitre 1er. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra les bons pays que j'ai dirais de donner à vos pères. Dans verset 36. Excepté Caleb, fils de Jephunné. On a combattu les Jephunné. Il le verra. Lui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc, parmi les peuples, m'a présenté Caleb. Et parmi les peuples, on a présenté Caleb. Maintenant, Moïse a continué pour nous. Maintenant, Moïse continue. Dans verset 37. Verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi. Yahweh a celui qui l'a coupé là. À cause de vous. Et il dit, toi non plus. Tu n'y entreras point. Là, dans l'angle à serviteur. Là, du côté du serviteur. Maintenant, Zul, verset 38. Dans le verset 38. Josué, fils de nous. Ton serviteur y entrera. Fortifie-les. Car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Que Dieu bénisse les deux. Ça ne vient pas pour le temps. Donc ici, nous avons présenté d'abord Caleb. On présente d'abord Caleb. La carte parmi le peuple. Parmi le peuple. La réalité. Et dans la réalité. Nous avons comment l'église. Il devient l'église du Seigneur. Nous avons présenté.
présenter Josué comme serviteur. Qui doit aussi hériter. Donc l'iloba oezotali sa le langage à héritier. Donc cette parole parle des membres présente l'héritier. Donc l'héritier, c'est Josué. Donc Mosamoli. Parce que Josué. Il a hérité Nyon, ce sera bien par Moïse. Parce que c'est lui qui a hérité tout ce qui était chez Moïse. Mais Caleb a zané ti co-héritier. Nathanie, Romains chapitre 8, verset 17. J'ai lu Romains chapitre 8, verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc Christ et Jésus azanet Josué. Donc le Christ et Jésus comme Josué. Mais bisous aux années de Caleb. Mais nous sommes comme Caleb. Ma co-héritier. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu m'as remarqué. Jérusalem est bien ami na elembo ya sa. Et Jérusalem est appelé comme Sarah. Donc quand nous sommes à Sarah, lorsque tu vois Sarah, c'est Jérusalem là-haut. Les amis, Jérusalem est rigolo. Mais Sarah n'a boya, autant à moi na mon. Mais physiquement, Sarah n'avait enfanté qu'un seul fils. Moi na wana ndeyaza héritier. Et c'est ce fils-là qui est héritier. Parce que les moi Sarah les araba na moi na mon. Parce que dans les seins de Sarah, il n'y avait qu'un seul fils. Mais il y a son bani. Mais qui dit Sarah dans na elomeni na e la Genèse 21 verset 7. Dans son langage de Genèse 21 verset 7. Azo lo bani. Il dit ceci. Togota na e malamu tango le fils a zana qui c'est vrai. Nous allons bien les lire tant qu'on va le voir qui mourra ma belle. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle ajouta. Père Isaac. Qui aurait dit à Abraham? Sarah allaitera des enfants. Sarah a commis sa femme à aider ma belle. Cependant, je lui ai enfanté un fils. Donc, ce qui nous parle, pas qu'en réalité, Sarah allaitera des enfants. Donc, si quelqu'un veut dire que Sarah allaitera des enfants, il faut y avoir des enfants parce qu'on a quand il y a un seul fils. Dans ce moment, il n'y a pas de mêlée parce qu'il y a quatre secondes à mon corps. Oui, il y a moins la réalité. C'est pourquoi dans la réalité, véritable Isaac, c'est Christ et Jésus. Isaac a son les années. Mais la Christ et Jésus, il y a des enfants. Mais dans Christ et Jésus, ça n'y a pas de mêlée. Des enfants, on les a n'a rien tous en quatre, il y a Christ et Jésus. Et ces enfants-là sont toi et moi dans le Christ. Mais Sarah a fondé un fils. Mais Sarah n'a fondé qu'un seul fils. Fils, on a été héritier. Et c'est ce fils-là qui est héritier. Mais maintenant, ils sont toujours formés comme ma co-héritier. Maintenant, nous sommes comme ceux-là qui vont hériter avec l'héritier. Maintenant, la image. Maintenant, dans l'image. La élimine. Dans l'ombre de l'image. Il y a besoin de ma paix à qui Josué montagne. C'est pourquoi on a donné Ephraim. À Josué la montagne d'Ephraim. Na Likambo Moïse Alamaki. Donc, ce que Moïse avait dit. Apprécie aussi Caleb. On a donné aussi à Caleb. Montagne Hébron. La montagne d'Hébron. Mais Elombo, c'est qui nous Simba. Mais la chose que tu dois arrêter. C'est ça que Josué va être héritier. Josué est comme l'héritier. Et Caleb va être co-héritier. Et Caleb comme celui qui doit hériter avec Josué. Hein, voilà. Caleb n'est qu'à Zawana. Caleb tel qu'il est. À son temps, ça marche l'église dans la réalité. Donc il représente dans la réalité la marche de l'église. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Depuis que la Pâque est saillée. Au Banda, au Maman, la Pâque a passé. Dans Josué 5. Dans Josué 5. Tant que bataille ici. Lorsqu'ils ont traversé. Qui a été comme on a appelé à Hébron. Jusqu'à ce qu'il arrive sur la terre ou la montagne de mort. T'as la gamme déjà. On l'avait déjà. Et ça a 7 ans. Cela avait fait 7 ans. Vous en avez un? Amen. Et autant que ça marche l'église dans la perfection. Cela représente la marche de l'église jusqu'à sa perfection. Donc, tant que Caleb a côté, lorsque Caleb fit entrer, c'est que, c'est-à-dire, a su l'héritage. Il a reçu l'héritage. Là, ils ont conversé. Troisième hébreu. 4. La seconde verset 3 de Hébreu. Pour nous qui avons Christ, nous entrons. On a mis sur ton limite au côté. On attend à côté déjà, ma belle.
Ces choses, les amis,
Quelles sont ces choses? Et maintenant, verset 3, 4, 5, 6. On commence à partir du verset 3. Malheureusement, la foi, on dit pas. La piété, malheureusement, la connaissance, malheureusement, la patience, la tempérance. Et maintenant, comme vertu de Dieu. Ce sont des choses de la nature divine. Verset 8, il nous dit. Le verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Alors, nous de la veine dans notre tête. Ici, nous ne parlons pas de la veine physique. Avec dans notre ce qui a dit mille paroles à vos comptes. La veine ne chante pas la parole. Mais la veine est mal, il y a ma paix pour les gens pour ça pour comprendre les petits. Mais le mauvais avènement, c'est la manquer la compréhension des vies. La voix est plus grave que la zone. Et ça dit ma paix pour les gâteaux. Il y a un autre, nous avons quand même la parole. Avec le mot chanter, quelqu'un peut s'attacher à la parole. Avec qui, n'ayez pas. Et puis il est sauvé. Mais il y a mon livre. Mais l'avènement spirituel. Tu seras l'ami de Satan dans le feu éternel. Donc, nous avons un aveugle, mais ce pas un ami du logo. Donc, quelqu'un sera aveugle, mais s'il manque ces choses. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Parce qu'il monte en la carte, il y a un ami qui m'a est aveugle. A dit, monte en Hollande. Non, et il m'a pas. Donc, cela veut dire. La foi est à la calice. Donc, la foi, c'est un œil. Donc la vertu est l'œil. Il y a un moment dans Ézéchiel chapitre 10. C'est pourquoi le Seigneur dans Ézéchiel chapitre 10. Il a les yeux partout. Mais si vous allez dans Zacharie 3, si tu démarres dans Zacharie 3, à partir du verset 9, à partir du verset 9, toute une pierre qui a 7 yeux. Ces yeux-là, ces yeux, ce sont la foi, c'est tout ici. On dit, mais son potami, mais en lisant, et vos dimanes, tu huit. Donc, ces yeux, son potami, yébi, arithmétique, yébi, ma calcul. Si tu énumères, quand tu connais, et vous en avez huit, ce sera huit. Tarakarayomoko. Et moi, pour toi-même. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Verset 3. Et à la piété. Nous avons en Pierre 1. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Comment? En fouillant la corruption qui existe dans le monde. Par la convoitise. Donc il faut qu'on corruption est dans le monde. Donc tu dois fuir la corruption qui existe dans le monde. Et il y a capable même quand tu parles la convoitise. Donc cela vient par la convoitise. Et vous venez voir le téléphone. Donc cela peut t'emporter devant le téléphone. Nous sommes les gars. Tu as chéqué ça tous en SD. Mais il n'y a pas de négatif. Tu sortais la pluie. Même la sangoule. Même sous la pluie. Yo, voilà, mes gambas. Et toi, tu es là. Mais gambas, nous sommes quand même portés la consorte à la base. Les gars, c'est pour regarder la consorte à la base. Et les saletés des autres. C'est ça la convoitise du monde. Il y a beaucoup de millions de gars. Fuis ça. Qui va la convoitise? Une autre personne, et son cœur se discorde à l'église. Il est à l'église. Il n'attend pas l'enlèvement. Le Seigneur n'est pas béni pour lui. Amen. Jésus le plus grand commandement. On avait posé à Jésus la question sur le plus grand commandement. Un qui Jésus. Quel est le plus grand commandement? Mon père, il a les amis. Alors, il a dit, le Seigneur, Marc 12, pour le voyez là-bas, pour Kakami, la marche plus que Zambo, comment on a un tu t'attaches au coup plus, mais que tu ne verras pas le Seigneur. Non, il n'y a clair, ni à le comprendre. Moi, je viens de dire, je suis bien clair, je ne comprends pas. Non, c'est dit comme tu le comprends. Amen. Amen.
Okamami na match ke makambo nzambe okumona nzambe te. Tu t'attaches au nom plus qu'au chose de Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Ma posé question. On a posé la question. Faut fuir à mon mari, faut fuir. Mais c'est quel mot qui m'a l'air la convoitise. Miloulé. Et des scribes qui les avaient entendus discuter. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Voilà verset 28, il y a Marc 12. Verset 28, Marc 12. S'approcha et lui demanda quel est le premier des commandements de tous les commandements. Jésus répondit. Voici le premier. Jésus répond. Écoute Israël. Yoka Israël. Le Seigneur, notre Dieu. Et l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. De tout ton cœur. Maintenant, il aux amis de mais donc toi, tu es devant le Seigneur. Parce que nous sommes là pour côté. Mais là, nous sommes à gauche, il y a joué la Zahina Maroc. Mais quand le petit gauche, tu joues à pied Thomas. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus. La chose va la tombe de Jésus-Christ. Nous sommes là, il faut la mettre à guerre. Il faut qu'on va tous les jours. Nous sommes là, il faut la mettre à guerre. Tu vois comment le mien était entré. Nous sommes là. Tu le vois. C'est ça la légèreté. Il y a un monde libéré. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ce qui peut venir moi si moi dans un moment dans un moment. Et si tu es aussi ta voix plus que Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Et tu es ton mari plus que ton mari. Tu es ton mari plus que le Seigneur, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. C'est la parole. Et ça quand on dit s'appliquer, on y paie ça. Vous
tu sois fatigué. Il faut qu'on y pisse ça, tu vois. Pour venir la vocation. Voilà 2 Pierre 1, verset 10. Et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voilà ce conseil écriture. Là, c'est le conseil de l'écriture. Ce qu'on doit fermer la vocation. Si tu t'appliques à fermer ta vocation, on doit se donner, tu te donnes, on doit qui m'en dessous, tu fuis le péché, on doit s'attacher toujours à la parole. Tu t'attaches toujours à la parole. Oui, on appelle, on doit rejeter. C'est que mal tu rejettes. C'est ça la zone que Caleb était déjà en train. C'est que j'ai dit Caleb. Mais il y avait ce procès. Mais c'est qu'il y a un peu s'il y a comme à la montagne, juste à ça. Puisse pas venir à la c'est pendant 7 ans. Et ça dit, ni vous savez. 7 états, il sera la perfection. Ça vous état, il sera la perfection. Au commandement, qui comme Christ. Donc parvenir à la perfection comme le Christ. C'est ce qu'ils ont dit, mes amis. Et c'est ce qui nous comprend. Que l'Église les a appelés à comme à la perfection. Mais l'Église est appelée à parvenir à la perfection. Marche, Wana. Dans toute cette marche. Caleb a sa langue, n'a Jésus. Caleb l'avait fait avec Josué. 7 ans. Si Jésus est grand, jusqu'à ce Josué est qui présent. Josué est présent. Josué est héritier. C'est Josué qui est l'héritier. Caleb co-héritier. Caleb l'héritier avec Josué. Mais Josué abandonna et était 7 ans au Bima. Josué ne l'avait pas abandonné toutes les 7 ans. Il y a un autre monde dans la réalité. C'est pourquoi dans la réalité. Le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. La marche église. C'est dans la marche église. Alors, je ne vous laisserai pas. Donc, ce que la carte de la mort de Josué va, c'est que dans tout cela nous savons, Josué abandonna Caleb et était dit sous la vie héritage. Josué n'avait pas abandonné la Caleb juste à la possession de l'héritage. La réalité aussi, dans la réalité, le véritable Josué, Joshua seul, l'héritier, mon symbole de Dieu, dans sa mère, c'est Christ et Jésus. Il a dit Christ et Jésus. Il nous a co-héritier. Il nous a dit qu'on nous a abandonné Bissot. Et lui ne nous abandonnera jamais. Hazan a Bissot dit dans la montagne. Mais tu dois savoir. Pour la toi atteindre le sommet en montagne. Nous atteignons le sommet de la montagne. Il y a combat de trois fils d'Anak. Il y a un combat de trois fils d'Anak. Il y a un combat de trois. Il faut savoir qu'ils sont de l'ombre de trois. Ah, ma géant. Ma tombine, ma pénis. Dans ce que vous allez dire, ma sauterelle. Ce que vous allez voir, ma pénis. Car elle est dans la sauterelle, n'a rien d'autre. Et là, les gars, les sauterelles de toi, l'ombre. Maintenant, trois esprits, trois fils d'Anak, c'est trois esprits qui sont dans la réalité. Dans la réalité. Ce sont les trois esprits qui combattent l'Église. Et ça dit, on est simple pour que ça l'église à ta mère. Doctrine de Nicolas. L'idée à Baï Nicolas. Doctrine à Jézabel. L'idée à quoi c'est Jézabel. Doctrine à Balaam. L'idée à quoi ça va le bout d'un Balaam. Il y a un moment où on a une apocalypse 2 à 3. C'est ça, c'est quand il y a un moment où on a l'adversité de l'Église. Et c'est ces esprits qui sont les adversaires de l'Église. Moi, Nicolas, il s'agit de trois. Voyez là-bas, c'était de l'ombre. Alors, paix la réalité, c'est à toi. Ici aussi, dans la réalité, c'est de l'ombre de toi. Parce que l'Église. Parce que l'Église. Ils ont présenté la Sainte Église. Et présenté par les Sainte Église. Comme aussi, sept ans en marche, il y a Caleb. On a permis nous savoir autant pour la Caleb. Et pour combattre les trois fils d'Anak. Et pour combattre les trois fils d'Anak. Donc, une Église, ils ont espéré qu'on possédait montagne. Une Église qui espère posséder la montagne. Ils doivent vaincre ces trois fils d'Anak. Et c'est lui-là, nous, papa, il n'y a pas de l'Église Sainte Yannaka. Alors, tant que vous voyez, vous comptez pour expliquer Nicolaïs le déni. Mais lorsque nous sommes prêts pour expliquer, c'est quoi l'esprit de Nicolaïs? Ce sont ces trois fils d'Anak. Il s'agit pas d'avoir la mise de l'Anak à l'Ibagne. Mais Caleb, quand même, à l'Obagi, avait dit Naza Makas, je suis vigoureux. Depuis que Moïse a l'Obagi, je suis vigoureux comme au jour où Moïse avait parlé. Nous sommes plus
Gracias.
Parce qu'il faut tous en zèle pour Dieu. Parce que nous devons avoir le zèle. L'amour pour Dieu. Pour lui, pour c'est comme Jésus-Christ. Afin que les zèles de la maison de Dieu me dévorent. Et avec un amour de Dieu. Regardez l'amour de Dieu. Mais ça, le Nicolaïsme. Mais il y a aussi la doctrine de Nicolas. Nicolaïsme, les amis, pour battre pas à la zèle pour des hommes. Alors, c'est pour que les bien aimés soient zélés pour des hommes. Ce sont des choses à s'opposer à ça. Les amis, nous pouvons écouter la paix. Parce que nous avons. Parce que moi je ne fais pas mon pouvoir. Si je prêche quelque chose, ce n'est pas mon pouvoir. Ne crois pas cela. Et puis si la hypothèse, si la lobby n'a pas besoin de la corriger. Si le montre vraiment intérêt, je ne crois pas. Et ce côté-là, je suis vraiment. D'ailleurs, dit que vos bébés, ils enseignent, ça vaut bien, ça s'arrive. Parce que je sais que dans tout l'enseignement, c'est le plus de ça. Montez ici pour corriger à la carte la tête. Je vais te montrer. Donc, ce qui est dit, et le bas. Donc, si quelque chose est dit, et ça, il y a côté, et qui est le bâtiment, il est le moi je ne crois pas. Non. Mais là, non, non, non. C'est qui voit là? Il faut écrire et le bon et le tu n'as pas que l'écriture de ce que tu dis. Non, 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 moi. Amen. C'est ça, sans ça bien. C'est ça le fait sans. Même si on est d'accord. Même si tu vas à la maison. On doit se faire un ta doctrine. Et tu s'entretiens avec quelqu'un d'autre. On a des bisous et pas la bisous. Ne dis pas bouche. Au pasteur, la mission. Non, le pasteur est. Non. Le roi est critique. Le roi est critique. Nous devons avoir besoin d'un pasteur. Non, non, non. C'est que nous n'avons pas besoin de ce qu'a venu ton pasteur. Il a signé de sa Bible. Ce que lui a amené, c'est la Bible. Il a besoin de personnes qui écrivent. Il a besoin aussi que tu lui donnes l'écriture. Non, non, non. Tu suis attentif. Ah, les autres pasteurs, on a tout ça. On a tout notre pasteur à dire. Non. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes Kenya. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes Kenya. Marchouana Caleb a vaincu la mort. Nous savons que Caleb avait vaincu dans cette nation. Le deuxième mot, celui qui sont portés dans la carte, il y a un vrai Caleb, où est sa église du Seigneur. Et la même manière, si nous sommes portés dans le vrai Caleb qui est l'église du Seigneur, il faut vaincre les trois fils d'Abraham. Et c'est que tout le monde n'a pas eu mal à lui, pas de l'église. Ils sont vaincus la mort. Nous devons les vaincre. Que Dieu vous bénisse. Ça fait à part pour la vie. Que la paix du Seigneur les a accordés. Et tu les laisses à la terre de la chouvre. Ça va à la terre de la carte de la et le Seigneur s'est la pomme et la tombe et ce dito. Ils sont dans la zambe et tambour et la honte. Et le Seigneur te bénit.